Commence à la journée d'écoulement. La fin passée dans numéro 8, quand il militait Mboka à Côte là-bas, les trois élus sont les députés sortants, à savoir Pravin Jugnauth, Lila Devi Dukal-Mutchman et Yogita Soaminader. C'est aux alentours de 11h que débute l'exercice de dépouillement à la SSS quartier militaire. Près de 250 personnes sont mobilisées dans 24 salles. Tout se déroule sous la supervision de la returning officer Meenakshi Gayanjulim Singh. Le premier pointage tombe vers 12h30 et au bout du troisième, les résultats se confirment. Les trois candidats de l'Alliance mauricienne sont en tête, Pravin Jugnauth, Lila Devi Dukal-Mutchman et Yogita Soaminader comme en 2014. Les candidats du MMM quittent les lieux en début d'après-midi après les premiers résultats partiels, suivis du leader du parti malin, Dalraj Singh Obilok, visiblement ému. Les candidats de l'Alliance nationale, dont Atma Bhama, concèdent la défaite quelques heures après dans un esprit de fair play. Comme le premier bulletin commence à compter, Mamoufi trouve une indication simple et claire. Quand l'Alliance mauricienne tire la 20 victoires, Mamoufine félicite Pravin Jugnauth et Subhan Kulissier pour cette victoire-là. Avant même la proclamation officielle des résultats, la SSS quartier militaire est envahie d'une marée orange. C'était donc un reportage tourné par Cloutette Geoffroy.